Yo tout le monde, c'est Louis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PES 2019 Reims-Lille. Sur ce, bon visionnage. Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette rencontre. Les deux équipes sont quasiment prêtes et les arbitres sont en train d'effectuer les dernières vérifications d'usage. Autant dire que le coup d'envoi est imminent. La météo est un peu capricieuse aujourd'hui, il faut le préciser. Espérons qu'on assiste quand même à un déluge de buts. En attendant, on a beaucoup parlé météo. Ne parlons maintenant plus que de ballon. Quoi qu'il en soit, c'est un plaisir d'être dans ce stade. L'arbitre donne le coup d'envoi. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Il y a peut-être un coup à jouer. Ça peut être dangereux. Et l'arrêt, magnifique. Et ça, c'était pas facile à arrêter, croyez-moi. C'est joué court à deux. Voici un bon sang et il y va de la tête. Oh, pas de chance sur ce coup. Mesut Özil. Ils sont patients dans la construction, mais il faut faire la différence. Ça va très vite sur le côté gauche. Pour trouver la faille dans la défense. Van Persie. Oh, la main ferme. Bien repoussé par le gardien. Oui, quelle intervention. Honnêtement, moi, je la voyais dedans. Allez, essayez d'être précis. Touchez un coéquipier. C'est dégagé, loin devant. Iniesta, il a de l'espace. Oh, quel geste! Van Persie! Et le drapeau s'est levé, en jeu. On joue sur l'aile, il est servi. La passe dans la profondeur. La passe interceptée. Reims adopte une tactique bien connue là. Ah oui, dites-nous tout, Darren. Ils essaient d'écarter le jeu au maximum et d'utiliser toute la largeur du terrain. Ça va créer des espaces, Grégoire, forcément. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Le stade de Reims, qui s'est un peu mordu les doigts après les choix de son entraîneur, ça lui a coûté une défaite lors de la dernière journée. C'est vrai, le manager a pourtant bien essayé de se justifier depuis, mais on sent qu'il n'y croit pas tellement. Il sait qu'il a fait une bourde. Le bon dribble. Il est bien placé. Oh, le bon ballon. Van Persie. Long ballon dans le sens du jeu. Oh, voici Ben Yedder. Oh, quel geste! Il est sur le côté! Van Persie! Et ça ne passe toujours pas! Il domine carrément en ce moment et c'est passé tout près, deux, trois fois. À force de tenter, ça va finir par entrer.
C'est bien, conserver sa lucidité maintenant. Et la touche maintenant. Qui est bien placé. Et ce ballon devant le but. Et ce sera dans les gants du gardien. Quelle présence! Silva qui cherche à construire. Il cherchait à imposer sa puissance. Il est tombé sur un mur. Il a essayé d'y aller seul, mais sans réussite. C'est joué long. Attention, la passe est précise. Il est tout seul. La parade, superbe. Oh, quel bel arrêt! Incroyable comme il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Et ce corner à la rémoise. Et le raid côté droit, il a du soutien. Il est passé. C'est parfait, magnifique. Van Persie, au but pour Lille. Ça y est, ce match est vraiment lancé. Le gardien ne pouvait rien faire là-dessus, il n'a rien à se reprocher. Quand il voit le ballon, il est déjà trop tard. Le premier but dans cette rencontre, vivement la suite. Il mène au score, maintenant il ne faut pas laisser l'adversaire revenir. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Ils mènent donc 1-0. Ils tentent de la jouer dans l'espace. Il n'hésite pas à participer à l'effort défensif. Pour un attaquant, c'est bien. Alors lui, il n'hésite pas à revenir en défense quand on en a besoin. C'est un coéquipier modèle. Ça peut faire mal! Oh, dommage, c'était une bonne passe. Absolument, sa course était parfaite dans le timing pour se mettre en situation de duel. Silva qui fait son retour dans le 11 de départ après quelques matchs d'absence. Il a tenté, bien joué. Il est à distance de tir. Il allonge le jeu. Ce contre peut très bien aller au bout. C'est bien, la passe à 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux. Il y a peut-être un coup à jouer pour trouver la faille dans la défense. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Attention, c'est dangereux! Il rejoue derrière lui. La frappe! Ça peut partir en contre. Silva! Il relance côté droit. Le bon dribble. Directement pour le gardien. Coup de sifflet, fin de la première mi-temps.
45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. L'équipe a vraiment trouvé son rythme dans cette partie. Ça combine bien, il y a de l'application dans les gestes. Et personne n'a peur de tenter sa chance, c'est bien. Un petit but, c'est par les deux équipes. 1-0 à la pause. Coup d'envoi de la seconde période. Un seul but d'écart, mais ça suffit à leur bonheur pour le moment. Il est passé. Et ce ballon vers la surface. Le bon dégagement. Oh, Silva. Il est repoussé par la défense. Lille qui est en confiance après sa dernière victoire. Rami. Oh, Iniesta. Débordement côté gauche. Il y a peut-être un coup à jouer. C'est bien fait, ça. Va-t-il en profiter? Van Persie. C'est dégagé loin. Mangan. Mesut Özil. Oh, Van Persie. Van Persie. Il avait fait le plus dur pourtant. Van Persie a peut-être manqué de lucidité dans le dernier geste. Dommage. C'est joué long, attention. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Elle s'est peut-être un peu emballée sur ce coup. C'est reparti, ils peuvent contrer. C'est bien ce qu'il fait là. Il va frapper. Rien à dire, c'était propre. Ouf, un peu d'air. Silva. Oh, voici Ben Yedder. Le bon dribble. Il centre, attention. Un long ballon vers l'avant. Voilà une bonne occasion de contre. Il glisse le ballon en profondeur. La belle inspiration. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on. Bon, c'est pas comme s'ils avaient le choix non plus. Non, c'est bien vrai. Il joue dans l'espace, il peut y aller. Oh, l'intervention magnifique. Silva, il marque. Il creuse l'écart, ils ont maintenant deux buts d'avance. Oh, le pauvre, c'est difficile d'en vouloir au gardien là. Il était masqué et ne voit le ballon qu'au dernier moment. Silva qui inscrit là son premier but de la saison. Le stade de Reims qui effectue un changement. Lille vient peut-être de se mettre à l'abri. C'est bien d'avoir fait le break comme ça. À 2-0, on respire un peu mieux. Il est passé. Le soutien derrière lui. Il frappe. C'est ce qu'il fallait faire, dommage. Bonne technique, ça manquait juste un peu de précision. Lille qui utilise les forces de son effectif. Jallet entre en jeu, il peut faire la différence avec sa qualité de passe. La tête.
Oh non, sa tête n'est pas cadrée. Encore un changement alors que le précédent venait tout juste d'être effectué. Oh, voici Ben Yedder. Il a pris tout le monde de vitesse. Attention, la frappe. Oh, Iniesta. Van Persie. Ouais, il frappe encore. Il rate le cadre. Il était très attentif, très concentré. Sa spontanéité fait la différence. Il manque juste le petit brin de réussite. En retrait vers son gardien. Ils ne vont pas chercher leurs adversaires. C'est intéressant. Comment ça, expliquez-nous. Ils restent à distance, ça leur permet de mieux lire le jeu plutôt que de se précipiter sur la balle. Ah, ok. Le bon dribble. Il y a danger. Iniesta. Ils sont passés tout près du 3-0. Il a vraiment joué le coup pourtant. C'était l'occasion de se mettre hors de portée. Encore une bonne intervention. Silva, à droite, ça peut être extrêmement dangereux. Mais il continue sa course. C'est bien fait. Ça sent la frappe. Il tire. Hé hé, il y avait de l'idée. Oh, pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Il continue. Pas de faute. Il est resté calme en voyant son adversaire partir en dribble. Bonne intervention. La passe dans la profondeur. Il tente de la jouer dans l'espace. La frappe, attention! Sur le poteau! C'était bien joué, dommage. Il va s'en vouloir d'avoir manqué ça. C'était une occasion en or. Un peu de coaching, c'est bien. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus, alors il valait mieux le sortir maintenant plutôt que le voir courir jusqu'à épuisement. C'était un joli tacle quand même. C'est osé pour trouver la faille dans la défense. Il joue dans l'espace. C'est joué long, attention. Il allonge vers l'avant. Oh, le contre, l'arme fatale. Il progresse encore. Oh, attention. Il file vers le but. Et le gardien s'en saisit, tranquille. Oh, voilà le coup de sifflet final. C'est fini. Oh, la performance exceptionnelle de la part de ces joueurs. On a vraiment de la chance d'assister à telle rencontre. Alors, votre analyse sur cette rencontre? Gagner sans prendre de but, c'est la base. Et à la fin, toute l'équipe est happy. L'attaque a réussi et les défenseurs n'ont pas lâché. Voilà un vestiaire donc plein de sourires. Merci à vous, Darren. C'est terminé pour cet après-midi. On se retrouve très vite. C'est toujours un plaisir partagé.
Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, mettez des likes et activez la cloche de notification. Ciao tout le monde.